bienvenue à la Copa des Patriotes, notre émission sucrée et salée. Je m'appelle Sophie et voici ma collègue Shane. Aujourd'hui, nous allons vous cuisiner des carrés au secours. Comme Sophie vient de vous m'enseigner, nous allons vous cuisiner des carrés au secours, un dessert sain et rapide qui est parfait pour satisfaire vos envies de sucre et de sel. Pour réaliser cet essai, nous avons besoin d'une boîte de craquelin Ritz émietté, un sac de pépites de caramel secours et en laisser un peu à côté pour la décoration, un pot de crème fromage, une canette de lait concentré sucré et de la poudre de cacao. La première étape est habituellement de réchauffer le four, mais comme cette recette ne demande pas, on va juste le réchauffer quand on peut mettre les desserts dans le four. Donc la première étape sera de mietter la boîte de Ritz, comme on l'a réchauffé pour que ça soit plus rapide. Faites sûr que ça ressemble un peu à de la farine. Saviez-vous que le Ritz a été inventé en 1934? Maintenant que les Ritz ont été émiettés, il faut les mélanger dans le cuit-poule avec les Eagle Brand puis les Cornelius Bar. Maintenant, nous avons mis les Ritz broyés avec la canette de lait concentré sucré dans le bol. Nous allons ajouter le score. Saviez-vous que la couronne dans le haut de score est sur l'emblème national du Suède? Donc la friandise a été inventée dans le Suède. C'est sur la couronne. Maintenant, nous allons mélanger la préparation. Maintenant, la préparation bien mélangée, nous devons le mettre dans le moule. Mais il faut faire sûr de bien le graisser quand cette préparation est très collante. Nous avons découpé un papier parchemin qui fait parfaitement avec le fond du plat, parce que le fond est tout couillé, c'est vraiment collant. Il faut maintenant utiliser un pinceau pour nous allons maintenant mettre le mélange dans le moule à préparation. La dernière étape, une fois que la cuisson est terminée, est de laisser le carré au score refroidir pour environ 30 minutes dans le réfrigérateur, pour ensuite le crémer avec de la crème fromage fouettée et le décorer avec des pépites restants de tantôt et de saupoudrer la poudre de cacao. Maintenant, nous allons mettre la préparation au four à une température de 350 degrés pour une cuisson de 20 minutes. Maintenant, vous savez comment faire des carrés au score et vous pouvez en faire pour votre famille. Maintenant, la préparation est refroidie. Nous allons le crémer avec la crème de fromage. Nous allons mettre les pépites restantes des scores et le saupoudrer de poudre de cacao. Maintenant que vous savez comment faire des carrés au score, vous pourrez faire cette délice pour les membres de votre famille.